faut que je parle avec elle. Alors les gens disent, mais Ravi France, qu'est-ce que ça veut dire de parler avec l'âme et tout, on n'est pas... Nous, vous savez, on travaille, on vend dans les supermarchés, des trucs, on doit faire des choses dans notre vie. On a des enfants, il faut les habiller, leur donner à manger, etc. Pas de problème, vous pouvez faire tout. Mais il faut faire tout avec votre âme, pas avec votre corps. Il ne faut pas que votre vie, ça soit le produit de votre réflexion. Il faut que votre vie, ça soit le résultat de la connexion de votre âme avec Hachem. C'est ça, votre vie. Et pour connecter votre âme avec Hachem, ce n'est pas difficile. Vous parlez avec lui, c'est tout. Parce que vous, chacun d'entre nous ici, c'est une partie d'Hachem. Quand on se met à parler avec Hachem, on établit le contact. C'est Nafshi Yatsa Bedabero. Mon âme, elle sort quand je parle avec Hachem. Dès que je parle avec Hachem, mon âme, elle sort. Même Adam Arishan, quand il a fauté, Akashvoukho après, il est venu, lui a dit, Ayeka, où tu es Adam? Rashi, il dit, c'est pour parler avec lui qu'il lui a dit ça. Pourquoi Hachem, il sait où il est Adam Arishan? Hachem, il ne sait pas où il est. Il sait très bien où il est Adam Arishan. Mais il lui dit, où tu es? Il lui dit, pourquoi les canes sito bidvarim? Pour pouvoir parler avec lui. Parce qu'il s'est dit, maintenant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça devenir un monsieur, comme on dit, un grand intello, un monsieur qui comprend des choses, qui sait des choses et tout. Donc c'est fini, il ne va plus me parler. Et tout le problème de notre vie, c'est ça. Tous les problèmes de couple, tous les problèmes d'éducation, tous les problèmes de santé, de travail, de tout ce que vous voulez, ça vient que de ça, c'est tout. Si les gens, ils avaient la patience de parler, tous les problèmes du monde peuvent se résoudre. Tout avec la parole. Mais les gens, ils n'ont pas la patience. Les gens, ils ont un film dans leur tête et ils ne sont pas capables de jeter le film à la poubelle. Jette-le, le film. Laisse tomber ton film. Il y a un film qui est beaucoup mieux que le tien. Laisse tomber, c'est le film de ton âme.